cruelle d'audace. L'heure est au vote, une question d'angoisse vous menace. Qui des vôtres prendra notre place dans ce grand désert? Qui recevra le flambeau entre beige et vert? Qui des vôtres prendra le chapeau? Mais avant de voter, on va vous remettre deux, trois choses en tête. Ce serait dommage de voter sur un coup de tête, non? Je me souviens de vos débuts, de votre entrée dans l'Ouest, un aperçu bref d'un destin funeste. Je me souviens de vos actes, de vos faits et gestes, un air burlesque, saupoudré d'indigène. C'est la bagaille, je raille, tant de ce travail, tu bagailles, tant de failles, mais la clé sous la paille. Je me sens déprimé, dépité, malaisé, mais tu es méprisé. Pour qui vote-t-on? Une BD d'enfants, des bourgeois arrogants. Pour qui vote-t-on? Un choix affligeant. Avec diligence. Scarlett Trollet, faut que tu votes avec sens. Pour un cactus, c'est sûr. Et sans déconner, tu lis. Sans décorer. Sans savoir décorer. Et encore, nos vers sont édulcorés. Tenter t'exprimer dans tes LJC avec ton clip bien gitant, ton film trop gênant. Je me sens déprimé, dépité, malaisé, mais tu es misé. Une BD d'enfants, des bourgeois arrogants. Pour qui vote-t-on? Les listes se divisent en deux catégories. Ceux qui sont en vote et ceux qui n'arrivent pas. Alors n'oublie pas Alice, ton sort dépend seulement de nos voix. Ton sort dépend uniquement de nos choix. Faisons le bon choix.